podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa, je suis de la ville de Québec et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue partout. Donc Instagram, Ravelry et évidemment YouTube. Donc aujourd'hui va être un petit podcast régulier, peut-être un petit peu plus court qu'à l'habitude parce que j'ai beaucoup d'encours, j'ai pas tant de projets terminés et c'est ça. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Mon conjoint joue à des jeux vidéo en bas. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc, on va commencer par parler de ce que je porte. Donc, je porte mon Cinderella sweater. Donc, par moi. Donc, de mon design. Donc, c'est un chandail avec un effet un petit peu de volant au niveau de l'encolure et au niveau des manches comme ça ici. Donc, ça vient vraiment créer un petit effet super féminin de plus. Donc, j'aime bien la petite vibe que ça donne. Et c'est vraiment un cardigan qui est tricoté en aller-retour et qu'on vient faire une petite boutonnière en I-cord comme ça ici. Et au patron, il y a également l'indication pour le faire en chandail, donc pas en aller-retour, pas cardigan et sans bande de boutonnage, vraiment juste en rond. Il y a certaines testeuses qui l'ont fait comme ça. Donc on a des petits volants comme ça, en côte torse, des petits volants également ici, en côte torse. C'est tricoté avec la laine. Des laines masculines singuliers sur la base Gaston et je crois que la couleur s'appelle Lucy in the Sky. Il y a comme une gamme de couleurs printemps qui a tous des noms des Beatles, puis je crois que c'était Lucy in the Sky pour celle-là. Donc c'est vraiment un beau petit bleu, comment on appelle ça, un bleu, est-ce que c'est... En anglais, c'est periwinkle, mais je sais pas c'est quoi en français. Perverche? Commence par un peu aussi, je pense. En tout cas. Fait que c'est vraiment un beau petit bleu que je trouvais qui faisait vraiment très, justement, cendrillon. Puis en fait, il est beaucoup plus... un petit peu plus flash que ça encore. C'est vraiment dur à photographier ce bleu-là. Des fois, il a l'air un petit peu plus gris comme aujourd'hui. Je sais pas si... Non, l'éclairage le fait vraiment pas bien ressortir. C'est vraiment plus bleu, un petit peu. Un petit peu moins gris qu'est-ce qu'on voit là, à la caméra. Fait que c'est vraiment un encolure un peu, je dirais, carré, dans le sens que c'est pas... tu sais, il y a quand même une petite carrure ici. C'est pas un col hyper rond, c'est pas non plus un V-neck. Puis c'est une encolure quand même assez large aussi, là, donc on voit là, comme on voit mes petites bretelles ici. Là. Fait que je pourrais même le porter comme ça si je voulais. T'sais, vraiment très large, ou sinon on peut le ramener un petit peu vers l'avant si on veut un effet un peu plus carré. Là. Moi j'aime bien comme ça. donc voilà, donc c'est tricoté avec de la 50% merino, superwash, 50% coton. Je tricote vraiment jamais de la superwash, mais j'ai bien aimé cette laine-là. Ça file pas tant que ça, superwash. C'est pas désagréable au tricot. Puis c'est quand même tricoté en échantillon. Bon, je veux pas dire hyper lousse, là. C'est pas un ranunculus, là. Mais, tu sais, c'est quand même un échantillon pas trop serré. Fait que ça se tricotait quand même assez rapidement. C'est sur des 3,25 mm, je pense. Un échantillon de, je crois, 24 mailles. Donc, bref, sur du fingering. Donc, ça se tricote, je trouve, quand même bien pour un petit projet là, d'été. En fait, je devrais me tricoter plus de chandail en fingering. Je trouve que c'est parfait quand il fait un petit 15 degrés. J'en ai comme pas vraiment dans ma garde-robe à part celui-là. J'essaie de penser, mais non. J'ai pas de chandail en fingering, je tricote beaucoup plus la déca. Mais je devrais m'en refaire un autre modèle de chandail en fingering, je pense, parce que c'est vraiment le fun à porter, je trouve. Donc, voilà pour ce chandail.
Donc, pour les projets terminés, j'en ai deux. Donc, mon premier, que j'avais commencé la dernière fois, donc c'est mon Dune sweater, donc Dune... comme ça ici. Et je vous montrerai également un petit vidéo de moi qui le porte. Donc, c'est un chandail qui est en collaboration avec la maillerie, qui est tricoté avec deux brins de Knitting for Olive. Donc, on a d'abord un brin de Merino, le Merino classique, donc le Light Fingering, doublé d'un brin de lace, de cachemire, qui est le cachemire compatible, compatible, cachemire, quelque chose comme ça. Donc, on a vraiment les deux ensemble. Puis, j'ai pris deux couleurs qui étaient comme ton sur ton, mais qui n'étaient pas la même, la même degré de couleur. Et de, il y en a un qui est plus bleu, puis l'autre qui est vraiment plus, plus rouge, là. Mais c'est vraiment deux, un comme plus orange et rouge, et l'autre plus rose, vieux rose, je dirais. Fait que les deux ensemble, c'est ce que ça donne. Donc, le principe étant de vraiment mélanger deux brins ensemble. Et ça donne vraiment un super beau tissu, un beau drapé, mais en même temps, un tissu quand même épais. Je trouve que ça donne un tissu qui est très professionnel. Donc, je vous le fais bouger, là. Pour ce qui est de la coupe, donc c'est vraiment un raglan. Mais un raglan comme je les aime, donc qui tombe très bien, qui part pas trop ici, qui part vraiment au niveau ici de, comment on appelle ça, des trapèzes, et qui vient descendre tranquillement. Et on a vraiment un petit fini au niveau de l'encolure. Donc on vient finalement tricoter un peu droit, on fait un rythme d'augmentation ici pour s'en aller un peu comme ça. Et par la suite, on termine avec un V. Donc, je trouve que ça fait une encolure super originale qui tombe bien. Et on a des manches à ce moment-là qui sont avec un petit peu de diminution. Pour ce qui est de la première partie de la manche, je ne sais pas si vous allez voir. Et à partir du coude, donc on vient créer quelques augmentations. Pour créer une manche avec un effet un petit peu plus flair, comme j'aime bien, là, avec un look un peu vintage. Dans le patron, il y a également les indications pour simplement une manche droite. Donc, on vient faire quelques diminutions, puis ensuite, on continue tout simplement droit. Donc, c'est comme si ça l'enlevait un petit peu ça de tissu, là. Et on vient faire une finition en ripcord, comme ça ici. Pour le reste, ben, c'est des raglans comme ceci. Puis c'est un raglan avec des lifted increase. Donc je trouve que ça donne vraiment une belle finition. Et on vient reprendre à ce moment-là l'encolure. Puis faire un petit bind off. Donc une petite finition toute simple. Et dans le bas du chandail, donc on a vraiment... On a un ourlet, donc un bas replié. J'ai aussi mis les indications pour des côtes, si jamais vous préférez plutôt tricoter des côtes dans le bas à place d'un ourlet replié. Rendu là, ça sera votre décision. Et le petit truc intéressant que je viens faire avec l'ourlet, je vais essayer de vous le montrer. Oups! Le chandail est vivant. C'est que je suis venue reprendre, je vais essayer de vous tenir, c'est que je suis venue reprendre les mailles, donc comme ceci de mon ourlet, tout le contour, et puis venir faire un petit bind off. Ce qui vient, je trouve, vraiment faire une belle finition pour le bas ici du chandail, versus disons qu'on ferait juste une couture sur les côtés, là, comme j'ai fait pour mon lipstick. Mais là, vu qu'on a vraiment comme un 2 pouces, je trouvais ça intéressant de faire une belle petite finition là, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment plus joli au niveau du porté. Comme ça. Donc,
c'est mon jean sweater. Je vais vous mettre une petite vidéo de moi qui le porte pour vous montrer comment que ça tombe. Donc, ça, les test knits vont se passer possiblement en août-septembre. Je verrai, j'ai comme plusieurs patrons à faire tester. Je pense que j'en ai 5 à tout. 1, 2. J'ai celui-là. J'ai la veste que je vais vous montrer après. J'ai mon sundown tee que j'ai tricoté, mais qui va aussi être un sweater qu'il faut que je tricote. J'ai mon rétro. Et j'ai mon summer side. 5 patrons à faire tester. Donc, mon plan, si vous êtes intéressé, est que je prends un break de design cet été. Si vous êtes intéressé à ma vie, je peux dire. Donc, je prends vraiment un break de design cet été. Je planifie juste de tricoter le design de d'autres personnes ou de tricoter une deuxième version de certains patrons, comme par exemple mon sundown, qui est mon chandail en lin, que je vous ai sûrement présenté au dernier épisode, si je ne me trompe pas. Donc, celui-là, il faut que je tricote une version hiver et que je m'assure que le patron est comme parfait avant de l'envoyer en test knit. Donc, il faut vraiment que je retricote une nouvelle version parce que j'ai pas pris assez de notes sur la première version. Puis, je vais apporter aussi quelques petits changements au niveau de la version hiver versus été. Donc, il faut vraiment que je le retricote. Ensuite, mon rétro. Donc, mon chandail qui a plusieurs rayures, comme petit vert nouveau, on va dire, avec du crème et du blanc, qui a comme vraiment une texture. Donc, je veux le retricoter avec une version col roulé et couleur unie. Donc, ça, par contre, je risque de tricoter la version en même temps que les testeuses. Donc, ça va en même temps me remettre dans le patron parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai écrit. Donc, il y a celui-là. Et ensuite de ça, mon summer side, qui est mon chandail, comme un petit jaune beurre avec un petit peplum dans le bas que, pour vrai, je porte tellement avec des jupes et des robes ces temps-ci. Là. Justement, le matin, il fait plus froid pour aller au bureau, puis je mets mon petit chandail. J'ai l'intention de m'en tricoter une version robe également, parce qu'il va avoir l'indication pour faire une robe dans le patron. Et cette version-là, j'ai l'intention de me la tricoter avec toutes mes restants de mohair tenues en 3 brins pour me faire une version super colorée. Donc ça aussi, c'est comme un autre projet. C'est ça. Celui-là, je ne me fais pas d'autres versions, là. Ça va être celui-là, mais il va être en test. Et le test également de la veste que je vais vous présenter. Fait que je vais avoir beaucoup de choses à faire tester cet automne. Mais là, je ne veux pas m'en racheter cet été pour avoir une liste comme infinie de design à faire tester. Ça finira plus. Fait que je vais faire tester tout cela finalement cet automne jusqu'à Noël, possiblement. Puis après ça, je verrai ce que je fais là, mais c'est ce qu'il y en est pour l'instant pour mes designs. Par contre, ce chandail-là ici, mon dune sweater, j'ai déjà écrit une version crew neck, donc une version vraiment col rond. Donc, au début, je me disais, je vais regrouper les deux. Mais c'est trop. Il y a trop de modifications. C'est trop. Ça aurait été comme deux patrons dans un patron. Finalement, ça va être trop confondant. Et puis, au final, je pense que je ne vais pas utiliser nécessairement le même échantillon par rapport à ce que je veux utiliser. Donc, ça aussi, ça va être un patron qui va s'en venir éventuellement. Ça va être un patron super simple, justement, un petit réglage. J'aime bien savoir ça dans ma carte. Donc, éventuellement. Donc ça, c'est pour mon dune. Dites-le comme vous voulez. Ensuite, le prochain projet que j'ai terminé, c'est une collaboration avec le magazine de fibres. Donc, j'ai mon patron, mon lipstick sweater, pour ceux qui s'en rappellent ou qui ont vu mes anciens podcasts. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bonjour! Je parle possiblement de plein de choses que vous ne comprenez pas. Donc, c'est ça, ma veste, je suis un peu fatiguée de ma semaine.
je reviens de travailler, je m'en excuse. Ok, donc mon lipstick sweater va apparaître dans le magazine Film numéro 3, si je ne me trompe pas, cet automne. Donc, je pense que le magazine sort en août. Donc, pour celles qui me posent la question et qui étaient curieuses, je me souviens plus si j'en ai parlé au dernier épisode. Mais mon lipstick sweater, c'est mon chandail rouge en Knitting for a Live Fingering Mohair avec un petit col en jersey et des manches très évasées avec une fente, pour celles qui s'en rappellent. Donc, ce patron-là va être dans le magazine Film numéro 3. Donc, ne l'attendez pas sur mon Ravelry tout de suite. Il va être dans le magazine et il va être exclusif pendant 6 mois au magazine. Donc, mais j'ai un autre projet en cours pour le même magazine, mais pour la sortie numéro 5, je pense. Pas pour la sortie, parce que là, la sortie numéro 3, ça va être pour l'automne. Je pense qu'il y a une autre sortie l'hiver, puis là, ça va être pour une sortie de printemps l'année prochaine. Donc, on est loin. Mais moi, mon deadline, c'était le mois d'août, donc... Donc là, je vous présente sur un petit matelas parce qu'il est tout mouillé, il est en train de sécher. J'ai comme pas pensé à mon affaire et je l'ai bloqué hier. Fait que c'est ça. Donc je vais vous le montrer comme ça. Donc, c'est une veste. Donc, évidemment, pour une sortie là, de magazine printemps un petit peu plus léger. Donc, c'est de la laine en déca. C'est de la amulette déca de Peau sur le temps, si je ne me trompe pas. La couleur, c'est lune, je pense, de mémoire. Donc, c'est un... J'aurais aimé ça pouvoir vous le porter parce que le fit est juste vraiment le fun. C'est vrai, c'est le genre de patron qui a été le fun à tricoter, puis que vous allez avoir du plaisir à tricoter, mais n'a pas été particulièrement plaisant à écrire et designer. C'était vraiment quelque chose, j'avais comme une idée en tête, très précise de ce que je voulais, et c'était la réalisation de tout ça. Il y a eu beaucoup de détricotage et d'essayage de détricotage. Surtout que c'est un patron qui part du bas vers le haut. Mais comme je dis, vous, quand vous allez tricoter, vous allez être bien accompagné dans le patron, donc ça va bien se passer. Là. C'est juste que pour moi, il a fallu que je fasse plusieurs ajustements. Donc, on commence par monter nos mailles pour faire des côtes torses, donc sur X nombre de pouces. Là. Je me souviens plus par cœur, possiblement 4 pouces. Et on vient par la suite, c'est pas très confortable. Et on vient par la suite tricoter en motif. Donc là, c'est sûr qu'il est sur un truc, mais le dos est vraiment uni. Là, on est en jersey. Il y a seulement le devant qui a du motif. Et le motif sur le devant, comme on peut voir, il commence ici. Excusez, je m'en regarde dans le retour de caméra. À là. Et ici, on a vraiment des segmentations. J'ai deux versions au patron. Je vais avoir une version... pour justement partir de plus petit et créer des augmentations. Pour ceux qui aiment une silhouette un petit peu plus cintrée, je vais également avoir écrit la version pour une silhouette plutôt droite, pour celles qui préfèrent avoir, pour celles qui sont peut-être plus larges au niveau du bas, que tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait en shape plus petite de la taille, donc si vous préférez que ça soit plutôt droit, eh bien, vous allez avoir cette option-là également, si votre taille est la même largeur que votre buste, par exemple. Donc, ensuite, on a le motif, comme je disais, qui se met sur le devant. Et puis là, ben, c'était quand même beaucoup de calcul de devoir penser à, bon, pour que ça arrive pour mes augmentations et qu'ensuite, ça arrive quand je vais diminuer ici. Pour que j'aille le motif entre les deux et que j'aille ma maille ici centrée. Donc, c'est ça. Il y avait beaucoup de petits calculs et ajustements, mais ça s'est bien passé pour ça. Après ça, le reste qui était plutôt compliqué à
que j'ai eu beaucoup à défaire et à recommencer, c'était au niveau de la profondeur de la manchure, comment je voulais que ça arrive pour... parce que c'est vraiment une construction particulière. Normalement, des vestes, finalement, c'est comme on diminue un petit peu en dessous des bras et ensuite de ça, on continue de diminuer pour faire le tour de l'épaule et on finit quand même plus petit. Sauf que cette construction-là, il y a comme eu du bruit chez les voisins. Cette construction-là, je voulais vraiment un look un peu vintage. Donc, d'avoir vraiment une épaule finalement qui... un peu comme une épaule tombante, je dirais, là, donc qui est vraiment quand même plus large et qui vient finir comme, vraiment comme une épaule tombante, un petit peu plus bas ici, mais ne pas non plus avoir de tissu en dessous du bras, là, tu sais, parce que j'ai déjà vu des designs comme ça de veste, style épaule tombante, puis personnellement, j'aime pas ça parce que c'est juste comme droit, puis ça donne comme du tissu, puis je trouve ça un peu louche. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus chic, donc comme on voit, on vient vraiment faire des diminutions, ben, finalement, bind off un certain nombre de mailles en dessous, ici, des bras. Ensuite, on vient tricoter avec des augmentations, finalement, là, pour venir créer ici. Donc, on vient créer notre épaule avec des augmentations pour revenir au même nombre de mailles. Et on a ici la manchure, finalement, en côte-torse, avec des rangs raccourcis pour vraiment créer plus de tissu sur le dessus et moins en dessous. Donc ça vient vraiment créer, je pense qu'on appelle ça un cap sleeve, quelque chose d'un petit peu plus bas comme ça ici. Puis je trouve que le au porté, c'est vraiment intéressant. Donc je montrerai peut-être, je sais pas quand je vais publier cette vidéo, si j'ai le temps de faire sécher mon truc et de pouvoir vous le montrer porté, je mettrai une petite vidéo ici insérée de comment que le tombé donne, mais personnellement, je trouve ça vraiment cute. Ensuite de ça, on vient finalement séparer à un certain niveau les devants. Puis tout ça, c'est écrit au patron, évidemment. Donc, une fois que les devants sont séparés, puis qu'on a tricoté tout ce qu'il fallait faire, on a ici sur le haut un rabat à 3 aiguilles. Ça a l'air plus effrayant que ça l'est, c'est vraiment simple. Puis ensuite de ça, on vient reprendre les mailles pour le col et on vient tricoter le col polo. Et le col polo vient se rejoindre vraiment au milieu. Pas facile de vous montrer. Donc il vient se rejoindre vraiment au milieu ici. Et on a un petit détail. J'enlève ça 2 secondes. OK. Et on a vraiment un petit détail de maille en vert, donc comme un petit motif, juste pour venir créer un petit peu plus, un tout petit peu plus finalement de texture sur le col. Fait que ça, je trouvais ça super le fun. Puis on vient finir avec un petit bind off élastique. Donc, un tricot mouillé là, c'est pas... OK. Je vais essayer de vous porter 2 secondes. Tchoup! Voilà. Puis la laine, je l'ai dit. C'était qui? C'était quoi? Donc la amulette des coches. Je vais remettre ça sur mon petit. Je suis de retour. Donc, je pense qu'il annonce de la pluie aujourd'hui. C'est dommage, je l'aurais fait sécher dehors. Tom, il annonce beau. Fait qu'on verra. On verra. OK. Pour mes projets en cours, j'ai 2 nouveaux projets que j'ai jamais parlé. Et j'ai 2 anciens projets parce que, en plus de retricoter des designs que je vous ai parlé, cet été, j'ai l'intention de terminer plusieurs whips qui sont dormants. Donc, j'en ai recommencé 2.
Il y en a un que, honnêtement, il ne reste pas grand-chose. Puis c'est sûr qu'il va être terminé pour l'automne, ce qui était mon but. Je le fais comme vraiment à temps extra partiel, là. Fait que ça, c'est mon Home V-neck de Kadri. Donc, comme ça ici. Donc, j'ai terminé le corps. Il va me rester juste les manches. Je suis quand même bien partie. C'est un tricot qui est tricoté avec de la Urso Petite Face Bleue, je pense qu'elle l'appelle. La couleur, je pense que c'était latté, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cette couleur-là. Puis encore une fois, mon éclairage aujourd'hui est vraiment pas bon. Il fait super sombre. Donc, c'est vraiment un vieux rose. Là, je dirais tirant un petit peu quasiment sur du gris brun avec des petits speckles de rose un petit peu à l'intérieur. Et je le double d'un cerise de Drops, donc le Alpaca Silk, qui est comme un petit vieux rose, mais plus bas. Donc, je double ces deux-là ensemble. Puis la couleur du Drops, c'est numéro 20. Donc, je tricote ces deux-là ensemble et je suis venue faire mon encolure. J'avais fait une modification au patron pour que l'encolure descende moins bas. Là, je sais même plus quand j'ai commencé ce chandail-là. Je pense que c'était l'été passé. J'avais fait une petite modification. Finalement, je trouve qu'il monte un peu trop haut. J'aurais peut-être pas dû faire la modification. Mais j'avais fait la modification parce que je trouvais que sur le modèle et sur les photos, le V descendait toujours vraiment, tu sais, comme trop profond, là. Puis, tu sais, moi, je suis un peu réservée. J'aime pas ça, une encolure, qu'on me voit le décolleté tant que ça. Fait que là, j'avais fait une petite modif, mais finalement, je trouve qu'il est comme peut-être un peu trop haut, là. Tu sais, il va m'arriver... Puis, je sais pas, je le trouve comme serré un peu, là, l'encolure. Je sais pas si au blocage, je vais essayer de faire quelque chose un peu... En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Mais peut-être que mon raw gauge n'était pas pareil que la designer, puis je vous avouerais que je n'ai pas vérifié. Fait que ça, c'est vraiment on me, là. Ça doit, c'est pas par rapport au design. Fait que c'est sûrement moi le problème. J'avais pas bien vérifié mon affaire. Mais sur le coup, avant que je remonte les mailles, tu sais, vraiment, l'encolure me descendait quand même profonde. Fait que c'était un peu pour ça aussi que j'avais décidé de pas poursuivre parce que je voulais pas non plus une encolure trop profonde. Mais une fois que tu reprends les mailles, finalement, avec tout ça de... Tu sais, parce... Tu sais, puis en plus, quand ça bave, là, avant que tu reprennes les mailles, tu sais, l'encolure devait comme m'arriver ici, là. Fait que je m'étais dit, ah, 2 pouces, ça va arriver là. Mais finalement, je sais pas, le fait de reprendre les mailles, ça a comme vraiment remonté tout le truc. Fait que bon, à voir. Petite modification que j'ai apportée sur le patron... Parce que c'est vraiment un patron super simple. Honnêtement, c'est comme le dos, c'est un carré. On fait reprendre les épaules. On fait un peu d'augmentation. Puis on tricote en rond, on fait des côtes. Les manches, je ne sais même pas si c'est des diminutions. C'est vraiment simple, simple, simple. Mais le dos, ce que je disais, c'est que j'ai fait une petite modification. Puis c'est d'ajouter des rangs raccourcis pour venir descendre le bas du chandail. Donc, je voulais un chandail super cosy qui fait un peu... années 80, style qui te cache les fesses dans des leggings, là. Fait que le bas un petit peu plus... les fesses un petit peu plus bas, finalement. Fait que, tu sais, je vais pouvoir le porter super cosy chez moi en pyjama ou avec des leggings. Fait que c'est ça. Ça va être un chandail confortable pour l'automne. Fait qu'il me resterait juste les manches à faire. Fait que ça... Ensuite, le deuxième en cours que j'ai repris, parce que c'est quelque chose que j'avais commencé aussi l'année passée, possiblement au même temps de l'année, je m'en souviens pas, c'est le Home V-neck. Est-ce que j'ai dit que c'était? C'était de Kadri, je m'en souviens pas, mais c'est de Kadri. Donc, ça, c'est le Umbria de Cookie Donator. Et je l'avais lâché l'année passée.
parce que, on va se le dire, c'est long à faire. Fait que là, encore une fois, c'est un réglant tout simple. Je pense que la couleur va être... Ça va être beau, là. Si c'est le genre de projet que je veux, le résultat, mais j'ai pas tant de plaisir à le tricoter. Premièrement, c'est sur des 3 mm. Puis on dirait que mon arrêt de plus petites aiguilles, c'est 3,25. On dirait qu'en bas de ça, là, j'ai la misère. Fait que c'est sur des 3 mm, surtout en métal, parce que c'est de la soie, puis sur mes aiguilles en bois, ça le fait pas. Donc 3 mm sur des aiguilles en métal, c'est pas mon fort. Fait que j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois, mais j'ai tricoté ça. Un pouce. Peut-être même pas. Ouais, un pouce, à peu près. Fait que j'ai séparé pour les manches, puis j'ai tricoté un petit peu. J'ai tricoté quelques rangs, finalement. Mais c'est long. Il y a quand même pas mal de mailles. C'est en light fingering, parce que c'est juste un brin de pur silk. Puis là, déjà à la base, moi, de la fibre de plante, toute seule, en tout cas, 100% disons soie, light fingering, c'est peut-être pas mon fort. Et c'est un peu pour ça que je ne tricote pas vraiment de tricot d'été. Je suis pas une fan tant que ça des tricots d'été parce que j'aime pas les tricoter. Je sais pas que j'aimerais pas ça les porter. Je suis pas mal sûre que ça, je vais aimer ça le porter. Mais bon. Puis comme mon chandail en lin, on dirait pour moi c'est moins pire parce que c'était de la déco. Ça a tricoté plus vite, je pense. J'ai tricoté sur des 4 mm. Et j'aime ça le porter. Je l'ai porté en fin de semaine. D'ailleurs, je vous fais un compte-rendu parce que... Ben d'ailleurs, je pourrais peut-être aller le chercher. Juste comparer des fils de dés. Donc ça, c'est 100% soie. Cookie de Knitter. Donc c'est un petit genre de cardigan, si on veut. Mais sincèrement, j'ai fait 2 trous de boutons. Puis le reste, je ne m'embête même pas à faire les trous de boutons. Je vais juste comme coudre mes boutons. Puis tu sais, je vais le porter toujours fermé. Là. Ça ne sera pas vraiment un cardigan. Puis c'est tricoté avec des côtes brisées pour celles qui sont curieuses. Donc, je vais aller chercher mon petit chandail, je vais juste faire un petit recap. OK. Parce que là, je vous parle de des choses, mais vous savez peut-être même pas de quoi je parle. Donc, déjà, c'est un petit peu assoupli, je l'ai porté une fois, mais c'est mon chandail 100% lin. Puis comme on voit, le tissu est comme beaucoup plus, quand même pas mal de drapé, puis c'est de la laine des cas. C'est 100% lin. Et puis, c'est ça, il y a une petite encolure là, en V et il y a une fente sur le côté, comme c'est ici. Puis, je voulais juste vous faire un petit suivi parce que je suis partie en randonnée, ben pas une grosse randonnée, mais disons en grande marche avec ma fille et mon conjoint dans Portneuf. Et je l'ai porté une journée qui faisait à peu près, je dirais, 25-26. Il faisait très chaud, très soleil, très chaud pour ce petit mois de mai. Et j'ai porté ça. J'ai pas eu chaud dedans. Ben, j'ai eu chaud parce qu'il faisait chaud. J'ai pas surchauffé à cause de mon chandail. Donc, ça respirait super bien. C'est un chandail qui a beaucoup drapé aussi. Fait que, tu sais, quand je bougeais, ça donnait de l'air. Puis, il y a vraiment une séparation ici, là, qui est quand même assez haute, qui fait en sorte que le vent passait. Et puis, mon Dieu, c'était agréable. Donc, je voulais juste vous en reparler parce que je l'ai testé. Puis, comme je dis, j'ai pas beaucoup tricoté de fibres de thé. Et j'ai pas beaucoup non plus essayé de modèles ou de fibres là, pour l'été. Mais je confirme que ce petit design est excellent. Donc, mais il n'est pas encore disponible. Donc, je suis désolée. Mais pour l'été prochain, mettez-le sur votre liste. OK. Donc, j'ai 2 autres en cours et un projet futur, on va dire. Donc, cette petite chose. J'adore la couleur. C'est tellement beau. J'ai comme eu un trip de mauve. Donc, c'est un chandail, ben, plus un gilet, comme vous dites en Europe. Un petit cardigan de type, je pense qu'il appelle ça épaule, quelque
chose comme anglaise, comme couture anglaise. Je ne sais pas trop, là, il y a un nom pour ça. Mais c'est vraiment une construction particulière. Donc, on commence ici dans le dos. Puis, celui-là, je vais dire le nom du patron, mon Dieu. C'est le Maggi. C'est ça. Hein? Maggi Cardigan de Petite Net. Son nouveau design qu'elle a sorti vraiment récemment, qui est en 100% Cardiff Cachemire. Oui. Donc, il est en 100% Cardiff Cachemire. Et j'ai tricoté avec la même laine. En fait, j'avais commandé la laine. Et puis, j'ai vu la sortie du patron. Puis, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est parfait. Je vais le faire avec ma laine. Donc, c'est un petit cardigan à manches courtes. Moi, si j'ai assez de laine, je vais le faire manches longues. Mais je ne sais pas. J'ai juste 8 balles. Parce que c'est tout ce qui restait. J'ai profité du rabais de la maillerie, là, qui avait comme un 20%. Parce que du cachemire, ça coûte cher. Mais c'est tellement doux. Puis je tripais un peu trop sur la couleur. Fait qu'en tout cas, la couleur, c'est la couleur Funny. Donc, de Cardiff Cachemire. Et c'est ça, j'ai 8 balles. Donc, c'est des balles de 25 grammes. Donc, j'ai aucune idée si je vais me rendre avec des manches longues. Ça, je pense que c'est ma deuxième ou troisième balle, je sais plus. Ça fait quand même du millage, là. Mais je verrai après avoir tricoté le corps combien il me reste de balles. Donc, c'est une construction super fun, assez singulière, on va dire. Donc, j'avais fait une seule fois ce type de construction-là et c'était avec le cardigan de mon conjoint que je n'ai d'ailleurs toujours pas continué. Et ça me fait mal aux mains, tricoter avec des grosses aiguilles. En plus, c'est des aiguilles en métal, puis sur de la grosse laine rustique. En tout cas, je vais pas aller sur cette tangente-là, mais c'est le même genre de construction. Donc, c'est comme on part avec le dos, on fait un petit peu d'augmentation. On vient tricoter en aller-retour une portion ici en avant. Puis là, je me souviens plus si... Oui. OK. Donc, une portion un peu en aller-retour, puis on finit à un certain point par faire des augmentations. Ici, là, pour l'encolure. Ensuite de ça, on vient de mémoire reprendre les mailles ici. Et là, les mailles des manches sont maintenant, font maintenant partie, si on veut, des devants puis du dos. Et on vient tricoter comme en aller-retour, en créant finalement comme plus de type raglan. Donc, des augmentations ici. Puis ici, à un certain point aussi, on venait ajouter des mailles. Donc, il y a quand même quelques petites étapes, mais c'est pas nécessairement compliqué. Par contre, Petite Knit, sans être nécessairement pas clair, si vous avez jamais fait ce type de construction-là, ou que vous avez de la difficulté à comprendre un peu la configuration d'un chandail, ou que, tu sais, bon, c'est votre deuxième chandail, mettons. Je le conseillerais peut-être pas, parce que c'est vraiment une construction qui est particulière, et il n'y a pas de... Tu sais, Petite Knit ne tient pas nécessairement full par la main. Il n'y a pas de dessin, c'est pas... c'est clair, mais pas comme limpide, on va dire. Et... il y a une petite erreur également dans son patron que j'ai remarquée. Je pense qu'il y a deux petites erreurs, mais celle que je me souviens en tout cas, c'est au niveau des augmentations ici au début. Donc, il faut tricoter, disons, il faut faire des augmentations sur l'endroit et sur l'envers. Sur l'endroit, c'est disons « make one left », donc augmentation gauche par exemple. Et sur l'envers, elle écrit aussi Make One Left, mais ça devrait être Purl. Donc, faites une maille, augmentez d'une maille vers la gauche envers, parce que vous êtes sur l'envers du travail. Parce que si vous faites une augmentation normale sur l'envers du travail, bien vous allez créer une maille en droit sur l'envers. Donc, vous allez créer une petite bump. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand vous allez revenir sur votre endroit du travail, bien, vous allez avoir comme une augmentation qui va être comme une pump de pearl, finalement. Donc, moi, j'ai fait vraiment l'augmentation endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Fait,
juste vous mentionner si jamais vous faites le patron. Mais je pense que c'est vraiment une petite erreur dans le patron parce que sur sa photo, il n'y a pas de petit bonhomme, puis je vois pas non plus pourquoi il y en aurait. Bon, est-ce que c'est un problème de traduction? Moi, j'ai juste pris la copie en anglais. Je sais même pas en français si c'est la même erreur répétée ou non, mais bon, peut-être juste faire attention à ça. Puis je pense que j'avais trouvé une autre petite erreur aussi, mais je me suis dit, c'était quoi? En tout cas, c'est ça. Fait que je me console, il y a des petites erreurs en petite net. Fait que... Je sais pas que je fais des erreurs dans mes patrons, puis c'est intentionnel, puis c'est correct. Je dis juste que c'est humain, puis c'est normal. Je pense que des fois, on est comme vraiment, pas difficile, mais exigeant envers les patronesses, mais tu sais. Surtout des designers comme moi et bien d'autres qui sont des petits designers indépendants qui n'ont pas une grosse équipe. T'sais, s'il y a une erreur dans un patron de petite nippe puis qu'elle a comme quand même une grosse équipe pour faire les patrons. En tout cas, juste un food for thought. Bref. Fait que c'est ça. C'est super le fun à tricoter. Là, je suis rendue sur l'aller-retour. Donc, tricoter en aller-retour en Jersey à l'infini. Jusqu'à ce que je fasse les côtes du bas. Je pense que ça finit en côte, si je me trompe pas. Puis, au début, je m'étais dit que je ferais peut-être une petite modif, mais finalement, je pense que je vais le faire vraiment tel que patron. J'ai pas la tête à faire des modifs. Puis, en fait, je me sens un petit peu fatiguée mentalement ces temps-ci. Là. Donc, je veux pas trop m'en demander. J'étais vraiment épuisée mentalement la semaine passée. Donc, je veux prendre un été un peu plus mollo. Je vais essayer de prendre ça plus... de reprendre le plaisir du tricot sans exigence et demande. Et c'est ça, juste pour le plaisir. Donc, c'était comme mon petit début de plaisir avec ce patron-là. Mais là, je vais le mettre en attente parce que je vais avoir besoin des aiguilles pour un prochain projet que je vais vous parler. Mais, je vous parle de mon dernier whip. Donc, ce dernier whip est un de mes designs. Donc, je retricote un sweetgrass, la version sweater. Et là, je suis à tricoter le tout. J'ai presque terminé d'ailleurs. Je vais ensuite venir prendre les épaules. Donc, ça l'étire quand même comme motif. Là. Donc, pourquoi je retricote une deuxième version? Outre le fait que ça va vraiment être beau, une version couleur blanc naturel dans ma garde-robe. C'est surtout en fait parce que je la tricote avec de la laine des brebis du beau rivage. Comment qu'elle l'appelle? La frise et bouclette d'Éco. Donc il y a du Frisian rambouillet et moire là-dedans. Donc c'est vraiment la couleur naturelle. Le soleil est comme ressorti. Donc, c'est vraiment la couleur naturelle, il n'y a pas de teinture. Et c'est ça, c'est mon patron Sweetgrass. Et il va être disponible, en fait, le chandail, le but, c'est que je le tricote pour le mois d'août, pour le festival Twist. Donc, Audrey, les brebis, va partir avec ma version pour le festival et pouvoir le montrer et en vendre aussi des kits. Donc, si vous voulez vous acheter un kit, ou voir en personne le Sweetgrass. Donc, il va être disponible. Il va être disponible à Sweetgrass pour la durée du festival. Donc, voilà. Donc, c'est une construction drop shoulder. J'en ai déjà parlé. Donc, c'est mon design avec le motif du Sweetgrass. Donc, on commence ici par monter un nombre de mailles. Et on vient créer des rangs raccourcis tout de suite en motif. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus difficile, on va dire, du patron. C'est de commencer ici, mais après ça, le reste, tout va bien. Après ça, c'est des épaules avec un petit peu d'augmentation, mais il y a une charte. Ensuite de ça, on a le corps en rond, les manches en rond, normal. Donc, c'est vraiment juste le petit bout compliqué. Et puis là, mais justement, avec cette version-là, j'ai filmé un tuto pour vous montrer
comment ça fonctionne là, pour se starter, pour les rangs raccourcis dans le motif. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'il faut, il faut se starter. Et puis le motif s'inscrit, puis tu sais, c'est vraiment une répétition assez simple à retenir et courte aussi. Donc c'est pas compliqué là. C'est juste qu'il faut être capable, je vous dirais, de lire son tricot. Donc c'est pas nécessairement, je dirais pas que c'est débutant friendly, quelqu'un qui a jamais fait de chandail ou quelqu'un qui a jamais fait rien en motif. C'est peut-être moins, je vous dirais, le premier chandail à faire pour ça, étant donné qu'il y a vraiment comme les rangs raccourcis dans le motif. Mais je voulais vraiment que ça donne ce design-là. Moi, j'aime ça quand le motif est vraiment partout. Je trouve que ça fait plus professionnel que de faire juste comme une bande en jersey puis que le motif commence après. Personnellement, j'aime moins le look de ça. Dans certains patrons, bon, je comprends qu'il n'y a comme pas trop de choix avec de la dentelle ou peu importe, mais je voulais vraiment dans celui-là que ça soit comme ça. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile pour le début. Puis, il faut être capable de lire son tricot parce qu'il faut savoir si on est rendu sur une maille en droit ou une maille en vert dans le design, finalement, pour poursuivre le motif. Donc, c'est pas nécessairement particulièrement difficile, mais si on n'est pas capable de lire nos mailles, eh bien, tu sais, c'est pas du rang par rang là, pour le début des rangs raccourcis, là, parce que ça serait comme trop. Ça ferait comme 14 pages, là, juste pour ça. Là. Donc, c'est terminé pour mes projets en cours. Donc, et en plus, je perds ma voix, fait que c'est bien correct que ça termine. Je voulais juste vous parler de mon prochain projet, qui est un chandail de Marie-Christine, Marie-Christine Lévesque, qui est le Agave. Ouais. Donc, je voulais juste vous montrer la laine parce que je ne l'ai pas commencé. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de mes autres aiguilles, parce que je vais tricoter sur les mêmes aiguilles, donc en 3,5 mm. Donc, c'est un chandail qui, c'est quand même très drôle, c'est la même construction, je pense. En tout cas, je suis pas mal certaine, à 95%, c'est la même construction que le Maggie Cardigan. Mais la version Marie-Christine, c'est un chandail, donc en rond, évidemment, mais avec une encolure en V. Et puis, il y a comme des petits détails de, comme un petit fil, si on veut, une petite tresse qui passe là, sur le devant. Puis, je trouve ça trop parfait, ça donne un petit look vintage comme j'aime beaucoup. Donc, je vais le tricoter avec cette laine-là, qui est une couleur qui va tellement m'aller bien, je pense. Et c'est du 100% yak. Donc, ça, c'est du lace, en fait. C'est du lace que je vais tenir double. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà bobiné ma laine. Et c'est du 100% yak. Ça, c'est vraiment, vraiment doux. C'est aussi doux que du cachemire. Je filais pour du doux. J'ai déjà fait, en fait, mon foulard de Stars Hollow avec cette laine-là tenue en double. Donc, je sais quelle aiguille ça me prend pour mon échantillon, là, exactement. Fait que j'ai pas besoin de faire un échantillon, là. J'ai déjà tricoté avec la même laine. Donc, je vais starter ça, possiblement cet après-midi. Faudrait peut-être que je termine juste mon dos. Et après ça, je pourrais commencer mon test-knit, qui est dû, je pense, pour la fin juin. Donc, voilà. Sinon, peut-être petit update juste par rapport à mes sorties de patron. Celui-là, il va être disponible à la fin juin. Donc, le test-knit est en ce moment. Mon Sweetgrass sweater, justement, celui-là. Le patron va sortir pour le Festival Twist, donc au mois d'août. Et pour mon Layla Sweater, qui est aussi en test, je pensais faire la sortie au mois de septembre. Mais peut-être un peu avant. Je ne suis pas encore décidée. Donc, vous me direz, est-ce que je le sors en plein milieu de l'été? J'hésite comme à sortir un chandail à manches longues en plein milieu de l'été, mais je ne sais pas. Sinon, je pensais sortir justement en septembre pour le retour des classes et le retour de l'envie du tricot d'automne. Sinon, ma veste que je vous ai présentée, j'ai pas encore de nom déterminé. Je me demandais si vous aviez une idée de nom.
parce que je sais pas. Je sais pas comment le nommer. Je suis partie sur le mont Meadow, comme une prairie. Je sais pas particulièrement le mot prairie, mais Meadow, ça m'allait bien. Tu sais, comme un peu un petit motif ici, là, de fleurs, un peu, si on peut dire. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du motif, mais c'est... Oui, c'est un motif de dentelle, mais c'est vraiment très, très simple. Donc, c'est vraiment juste des jetés, des doubles diminutions centrées. Et pour ce qui est du petit motif ici de fleurs, c'est vraiment très, très simple. C'est simplement de la laine qu'on enroule par-dessus notre maille, finalement. On vient faire comme... on vient tourner la laine autour de la maille. Fait que c'est vraiment très simple. Donc, c'est ça. Pour le nom, avez-vous des idées? Parce que moi, je suis un peu à court. Je m'étais dit, justement, peut-être Meadow, vu qu'il y a des genres de petites fleurs. Sinon, le nom de la laine, c'est la couleur, c'est lune. Fait que je m'étais dit peut-être quelque chose avec lune, sans être lune. Mais, je sais pas. Avez-vous des idées pour ce patron? Merci de m'aider. Tout. Sinon, tranche de vie, comme je dis, j'ai été débordée un petit peu au travail. J'avais la santé mentale un petit peu plus faible là, la dernière semaine. J'étais vraiment fatiguée. Sinon, on est parti en petite promenade en fin de semaine dernière. Ça a vraiment fait du bien. On s'est promené dehors. On a joué toute la fin de semaine dehors. J'ai fait mes plates-bandes. Ça, c'était quelque chose. fait que c'est ça. Ça a été assez mollo de mon côté. On a essayé de profiter de la bonne température. Mais sinon, j'ai encore attrapé un rhume, possiblement. Le virus dont on ne prononcera pas le mot. J'ai fait un test, mais c'était négatif, mais j'avais quand même tous les symptômes. Là, j'ai été une bonne semaine sur le dos, encore une fois. Fait que là, j'espère être antivirus pour le reste de l'été et me porter bien et me reposer. Donc, c'est le but premier pour mon été. Donc, je vais évidemment vous refilmer un petit podcast avant mes vacances. Donc, moi, je pars en vacances à la mi-juillet, 2 semaines de temps, on s'en va en Gaspésie. Et je pense refilmer un petit podcast, possiblement début juillet ou fin juin. En tout cas, dans un mois, à 5-6 semaines, je verrai. Donc, je vais vous refilmer un dernier podcast, mais après ça, ça va être... direct les vacances et répit, et je pense être beaucoup moins présente après ça, jusqu'à la fin août, je dirais. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, beaucoup de repos, de soleil, de tricot passion, et de petites boissons gazeuses sur la terrasse. Donc, sur ce, bye bye! Je te montre 2 secondes.